Aurait-on des gens qui accepteraient Pour l'instant, pas grand monde. Est-ce qu'ils m'aiment bien? Non, ce qu'on a essayé d'assassiner un parent, bien sûr. Ouais, si on assassinait son maître espion pour gérer un petit peu. Il a l'air quand même d'être bon le maître espion, hein. Niveau 12, mais bien sûr qu'il couche avec des garçons, tout le monde le sait. Et avec des jeunes garçons qui plus est. C'est un homme malhonnête, ça. Je n'ai pas de muraille, d'accord. Voilà une hérésie qu'il va falloir changer. Par contre, j'ai de la maladie à ce que je vois. Et de la toux. Apparemment, celui-ci complotait, donc le Basileus ne l'aime pas beaucoup. Est-ce qu'on aurait besoin d'un traitement médical? On a... Ouais, il va falloir un traitement médical, je pense. On va chercher un traitement médical. Et est-ce qu'on aurait de quoi rentrer chez les hermétistes? Pas vraiment, il nous manque encore un peu de... Il nous manque 2 points. La rougeole, malheureusement. Le problème, c'est que... Ok, il a quand même fait son travail. Pour ce long qui nous apprécie pas des masses. Est-ce qu'on peut arrêter la rivalité avec cet homme? Parce que je n'ai pas d'intérêt à être rival avec lui. Sachant que c'est mon médic... Oh! 155%? Le mystique apparemment serait partant pour assassiner son maître. Oh, mais voilà qui me fait plaisir, ça. Bien plaisir même d'ailleurs. Par contre, il va falloir qu'on attaque les pires. Non, on sait quelque chose. Il y a forcément quelque chose. D'accord, ça s'est pris. Il va s'aliser. Maintenant, il va falloir que l'empire se stabilise un petit peu. Non, non, il y aura forcément quelque chose. Voyons voir si on réussit l'assassinat. On a échoué, mais pas de beaucoup, malheureusement. Pas envie de mettre trop de monde. Déjà, avoir mis le mystique dans le tas, ça me plaît pas beaucoup, mais début de l'ère des Vikings, ok. Plus de maladie, c'est bon. Pourrait-on avoir... Il lui manque quoi pour venir? Par de l'argent. Un saint à trépasser. Ben bien sûr, c'était un saint homme. Malheureusement, on a... Bon, notre épouse devrait décéder, ce qui devrait nous permettre quand même de pouvoir gérer après quelques éléments. Pourquoi pas épouser... Non, sa fille y a pas et ça... Ouais. Non, 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 on sait quelque chose, on sait forcément quelque chose. Il y a quelque chose à savoir sur cet homme-là et on le saura bien assez tôt. Ce qui m'ennuie, c'est que cet homme-là...
cher et plus il y a d'hommes dans le complot, plus ça peut... On veut savoir comment l'assassiner cet homme-là. Et après, on devrait avoir cet homme-là qui devrait mourir à 56 ans, donc on récupérerait ça. Ce qui va être gênant, c'est ça. Parce que ça nous empêche pour l'instant de faire une primogéniture, puisque cet homme-là, est-ce qu'on peut lui annuler son titre? Adopter en secret la foi hellénique. On va le faire, mais c'est surtout que ce territoire-là, je voudrais y mettre. Non. Est-ce qu'on peut avoir. On va chercher un homme. On va chercher un homme. Qui soit. Donc, on va charger un filtre, le filtre 0, qui me permet de trouver des hommes, et on va lui accorder. Est-ce que non, je peux pas. Dans mes vassaux, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut lui accorder à cet homme-là, accorder un titre foncier, la cité de Kalamata. Bon, il nous aime pas beaucoup plus, mais. Et si on lui envoie un cadeau? On peut essayer de faire ami. Ah mais non, on peut pas, c'est un rival. Mais bon, il a 56 ans. Il devrait mourir bientôt. En tout cas, nous nous sommes secrètement de la foi hellénique. Donc là, on va pouvoir en parler. Non, 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 on va devoir des faveurs, c'est pas grave. On a 226%. Qu'est-ce qui s'est passé? Un saint a trépassé. Et là, nous attaquons pour la chefferie de Zeta. Ouh, les routes ne sont plus aussi sûres. Voyons voir si ça fonctionne. Par contre, j'espère ne pas avoir été mis en cause. Non, pour l'instant, non. Ok, le coup de la flèche. Alors qu'il se balade en carrosse. Il menace de moi. Parce que ce titre-là est quoi? Ah, il est en primogéniture. D'accord, ce titre-là est en primogéniture. Donc on ne pourra pas, à moins de l'usurper. Et de trouver des personnes pour venir avec nous. D'accord. Par contre, si on arrive à avoir suffisamment de personnes avec nous, on pourra le révoquer. Invité dans le complot. Oui, ça c'est oui. Invité dans le complot. Ça c'est oui aussi. Et on en avait un troisième. Invité dans... Ah. On vient d'en perdre un, hein, malheureusement. 127%. Loup de Majorque. Quoi, ouais, mais il va me coûter cher le loup de Majorque, non? 116 pièces, c'est non. 103 pièces, c'est non. J'ai pas besoin de beaucoup de pièces en fait, hein. J'ai vraiment pas besoin de tant de pièces que ça. Il me faut au moins 3 personnes de toute façon. Qu'est-ce que quoi? Non, je vais refuser. Réticence de base, réticence de base. Ouais, s'il faut utiliser des pièces, on utilisera des pièces, hein, mais qu'as-tu comme armée? 2500 pièces.
enfin de 1600 hommes qui peuvent être levés parce que tu as beaucoup de territoire de là. Mais on pourrait revendiquer Akai et on l'aurait sans qu'il y ait. Alors, je pense que c'est parce qu'il y a une loi qui a été votée à ce niveau-là, gouvernement. Non, il y a bien les vice-royautés. Et le duché d'Akai est en primogéniture, donc. Par contre, il va nous falloir de l'argent, clairement. Donc, on va attendre de récupérer un peu plus d'argent pour pouvoir lever une armée supplémentaire. On a 1500 hommes également. Ce qui devrait faire le café, mais cet homme-là a 1600 hommes. Apostat trouvé. Un apostat. Sur cet homme-là, et lui, c'est quoi? C'est bon, ça, c'est l'air. On va essayer de. De gérer ça, on va dire. Pourquoi je ne peux pas? Parce qu'il faudrait 5 personnes. Invité au complot. Et il nous faudrait une personne de plus et on aurait 90% de chance d'obtenir ce que l'on veut. Il suffisait de demander. Pourquoi là on n'a pas? Supérieur à 5. Non, il nous manque une personne. Bon, on aurait 4 personnes. Malheureusement. Fonder une secte religieuse. Société. Bah, tiens, ça serait pas mal ça. Fondons une société secrète. Afin de m'assurer que l'oppression que subissent les croyants de foi hellénique s'arrête, j'ai décidé de prendre des mesures. Je concentrerai mes efforts sur l'organisation de mes fidèles, afin que nous puissions exprimer notre foi sans aucune crainte de répercussion lorsque nous serons trop nombreux pour être ignorés. J'accepte. Pour l'instant, c'est non, mais on va revendiquer le duché d'Akai. Malheureusement, ça a échoué. Mais bon, ça peut se gérer, ça. Rien qui ne puisse finir avec un truc entre les deux épaules. Alors, vol, petit oiseau, vol. Oui, le parapet, c'est toujours bien. Est-ce qu'on peut inviter mon frère? Qu'est-ce qu'il est aussi de. Susciter la sympathie pour les païens. Parce que pour l'instant, les Hélènes, ça fait quoi? Nous sommes grands maîtres, donc on aurait adopté ouvertement la foi. Oui, non, mais préparer le terrain, ça c'est un peu compliqué. Initier à la foi hellénique, est-ce qu'on peut? Parce qu'après, qui est l'héritier de cette personne-là? Et ça m'intéresse pas beaucoup. Par contre, est-ce qu'on peut. Comploter pour que on ait le duché d'Achaïe. Essayons, essayons. Et est-ce qu'on peut l'initier à la foi hellénique? Toi, est-ce qu'on peut t'inviter au complot? Oui. On aurait du monde hein, pour. Donc, si je t'envoie un cadeau. Invité au complot, c'est oui. Invité au complot, c'est oui. On en met de l'argent là-dedans, mais.
Ok, on a 4 personnes et il resterait une personne, mais il nous faut de l'argent pour. Essayons. Est-ce que mon frère... On peut pas la signer, mais est-ce que mes sœurs, on peut... ouais, non. Peut-être initier. On a des points de vertu, donc autant les utiliser. Et là, on peut revendiquer le duché d'Adkaï à 90%. Donc on a une revendication forte. Maintenant, il va nous falloir de l'argent pour pouvoir... Oui, bien sûr. Et ça, c'est tous ces territoires. Ouais. Ne plus avoir la bravoure, on ne m'aide pas beaucoup, par contre. Et je n'ai toujours pas d'héritier, donc ça, c'est gênant. Est-ce qu'on peut l'initier à la foi hellénique? Ok, c'est bon. Pour l'instant, ça a l'air de le faire à peu près. Bon, la charité fait perdre un peu de compétences personnelles, mais c'est toujours une bonne chose, je pense. Ouh. Donc, on commence à avoir du monde dans la famille qui rejoint. Il n'y a que mon frère qui, pour l'instant... Dommage. C'est compliqué, mais on essaye de recruter des gens pour entrer. Guerre vassale externe seulement. Est-ce qu'on peut quand même revendiquer? Non, bah non. Pourquoi ça, c'est non revendiqué par moi? J'ai bien le duché d'Achaïe. Par contre, c'est ouais, c'est guerre vassale externe seulement. Donc ça, c'est un peu gênant. Mais ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir se marier. Donc il nous faudrait une épouse qui soit plutôt digne d'intérêt. Voyons voir mon épouse du moment, qui, elle, peut-être pourra-t-on l'initier. Non, elle semble pas fan, hein. La comtesse est deux fois une... Ben oui, bien sûr. C'est une bonne chose, elle est deux fois hellénique, notre épouse, donc... Donc dans notre société, nous avons... Alors pourquoi mon épouse... Qui est bien deux fois Hélène... Et pas mon frère... Ça peut être un peu dangereux, mais... Est-ce qu'on peut, dans les factions...
avoir ça. Comte de Iconion. Parce que le problème, c'est que lui est marié à lui. Veulent. Bon, en tout cas, on est de plusieurs et deux fois grec, donc ça c'est pas mal. Pour l'instant, pas beaucoup veulent rejoindre la. On a deux membres dans notre faction. Mais c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Il va falloir augmenter ce nombre dans la faction, bien sûr. Et après, on ira encore mieux. Non, on va pas l'envoyer former une compagnie de mercenaires parce que notre demi-frère. Est-ce qu'il aurait la sympathie pour. Est-ce que ça va fonctionner? Pourquoi pas? Ça n'a pas marché malheureusement. Ça n'a pas bien marché, mais nous avons une faible revendication peut-être soutenue, duché d'Achaïe, mais est-ce qu'on peut lui déclarer la guerre? Revendiquer le duché d'Achaïe. On peut le faire pour nous. On peut le faire pour nous. On a de l'argent. Mais il a 4000 troupes. Pourquoi il y a 3000 troupes du domaine, cet homme-là? 3000 troupes du domaine, par contre, il va nous falloir de l'argent pour ça, parce que. Moi-même, j'ai mis 400 troupes, mais 3000 troupes du domaine, ça va faire beaucoup. Il va falloir lever du mercenaire plutôt en masse. On aura la possibilité de lever 1500 et 1500, je pense, mais il faut s'avir 300 de revenus. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et lui, le missionnaire. Des pratiques commerciales de la construction navale. Ça, c'est plus intéressant parce que ça donnerait un peu d'argent. Mais c'est des comptoirs, donc je m'en fous. Par contre, la construction, c'est des chantiers, c'est plus d'armée. Il y a des choses, mais c'est pas vraiment ce qui m'intéresse, malheureusement. Ah! Expulsion des juifs, donc nous n'y sommes pour rien, malheureusement. L'empereur a expulsé les juifs jusqu'à ce qu'il les accepte à nouveau. En tout cas, on est pas super puissant hein, pour l'instant en tant que les Oumeyades sont très puissants. Charlemagne ici semble. Non, Marcomer semble pour l'instant tenir les titres. Et à tous les titres de la famille d'ailleurs. La Saxe se tient, même si elle a pris quelques territoires de ce côté-ci. La Lombardie aussi se tient. Faudra voir ce que ça donne. Cette épouse a 30 ans, mais n'a pas l'air de. Vouloir faire des enfants pour le moment. Est-ce que notre héritier, on pourrait lui. Non. J'ai bien une faveur à cet homme-là, mais j'ai pas spécialement demandé de rejoindre la faction. Oui, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'on serait à 69, 60%. Mais le seigneur a toujours la possibilité de lever 3000 hommes, quoi.
3200 hommes. Parce que si on le tue, c'est une femme qui monte sur le trône. Une femme, ça pourrait moins bien se passer. Elle est là, la possibilité de lever 2000 hommes. Et 1500 hommes, et nous on serait en possibilité de lever encore plus d'armées. Grande chefferie de Raska, de ce côté-ci, pourquoi pas, ça serait même plutôt pas mal. Mais en attendant, nous, on a 1400 hommes, on a 300 d'argent. Je vais demander... Ne rejoindrai plus mon complot. Ah oui, il le ferait que contre l'enfant, quoi. Donc ça veut dire que là, ici, elle perdrait. Bon, 1400 troupes, on peut faire quelque chose, quoi. Je pense. Parce que là, nous sommes à quelle hauteur? Nous sommes à hauteur de 50% quand même de ses armées. On peut, je pense, demander l'intronisation du prétendant. La guerre est déclarée, bien sûr. Donc on lève nos troupes sur notre territoire seulement. Les vassaux, pareil. On va lever une troupe de mercenaires, bien sûr. On va écraser son armée pour commencer. Ça sera même très bien. Est-ce qu'on aurait besoin de plus d'hommes? On va commencer avec 1500 hommes directement. Qu'a-t-on comme général à mettre? Nous-mêmes. Ok. Nous avons en plus des gens pour nous aider. On est sur quel territoire ici? On est sur la colline. Mais on est plus nombreux. Allez, les flancs, ça a lâché. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour le moment. Allez, pas de bons généraux. La capitale, c'est de la colline aussi. Mais là, il y a 1500 troupes. Qu'est-ce qui s'est passé? Le commandant est à 19 et je suis à 21. Non, non, on va être avec de la pitié, s'il vous plaît. Êtes-vous sûr de vouloir mettre ça, cet homme en tant que prétendant? C'est-à-dire que je n'ai plus ma guerre là actuellement. On est d'accord? Ou j'ai mal compris? C'est ça, je n'ai plus ma guerre actuellement. Bon, l'empereur est en train de gagner. On va essayer de refaire de l'argent en attendant. Non, non, on va lui expliquer l'importance de la dévotion. Un pour tous et tous pour un. Donc, nous avons un peu d'armée quand même, et de l'argent qui va augmenter. Le problème, c'est qu'il faut pas la dépenser, cet argent-là. Lui est bientôt infirme.
Est-ce qu'on pourrait pas espionner cet homme-là? Est-ce que mon autre frère, d'accord, lui est mort en ayant l'écume à la bouche, malheureusement. Donc la rage l'a consumé. Il va nous falloir plus d'armées par contre, et plus d'argent aussi. Conversion de la Moravie par notre seigneur Lige. Donc on a des orthodoxes qui commencent à se répandre, notamment en Bohême, hein. Et pour l'instant. Ok, ça par contre c'est important. Et est-ce qu'on a enfin. Oui, ça c'est bon. Donc on devrait pouvoir normalement avoir. Aucun vassal a une opinion négative de nous. Qui a une opinion négative de nous? Ça devrait aller beaucoup mieux. Notre neveu, qui est notre neveu? D'accord. Se baigner dans du sang de vierge. Bien sûr. Et on va pouvoir demander à nouveau. Et il y a du gens qui veut venir inviter dans le complot, bien sûr. On va refuser. Ouais, ça, il y a des choses comme ça. Ouh, abri l'intrigant en plus. Ça, c'est très bon, ça. Merci. Beaucoup de choses qui me plaisent beaucoup. Envoyer un cadeau, bien sûr. Invité au complot également. Nous invitons toutes les petites gens qui veulent venir au complot, qu'ils sont bien sûr les bienvenus. Non, 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 il y aura plus de monde qui rejoindra ce complot pour assassiner cet homme-là. Par contre, il faudrait trouver des gens qui coûtent pas trop cher, parce que j'ai pas argent infini. Ouais, il y a des alcooliques, par contre, dans le tas, hein. Oui, améliore ma fertilité, j'aimerais avoir un enfant, s'il te plaît. Bon, j'ai quand même un gain de fertilité, c'est déjà pas mal.